Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au mic. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser tous les défis de la semaine 3, saison 3 de Fortnite. Alors nous allons commencer par le défi qui est très simple, c'est de fouiller des coffres ou des boîtes de munitions qui se trouvent à Misty Meadow. Alors rendez-vous tout simplement à Misty Meadow et ouvrez des coffres et des boîtes de munitions. Alors soyez attentifs parce que les boîtes de munitions peuvent se cacher en dessous des escaliers, derrière un meuble, etc. etc. Donc voilà, fouillez-les et validez votre défi tranquillement. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à l'autorité. Bah là, rien de plus simple non plus. Rendez-vous à l'autorité, il y a tout le temps plein d'ennemis qui y vont. Donc là, vous chopez une arme et après vous faites des kills dans l'autorité. Vous devrez faire 3 éliminations pour valider ce défi. Le troisième défi est de collecter des anneaux au-dessus de l'Asie Lake. Donc tout simplement, rendez-vous à l'Asie Lake et récupérez le premier anneau qui se trouve au-dessus de l'arbre. Ensuite, récupérez les autres anneaux que vous voyez dans le gameplay et ensuite, vous aurez terminé votre défi. Vous devez récupérer les 4 anneaux. Alors, je ne sais pas s'il faudra appuyer sur carré pour le récupérer ou simplement passer dessus pour le récupérer. Mais de toute façon, vous vous rendez près de l'anneau et vous verrez bien ce que vous devez faire avec. Le quatrième défi est de danser au sommet de la grue à Rickety Riggs. Alors rendez-vous au même endroit que moi sur la map, soit vous atterrissez sur la grue ou soit vous la montez en utilisant des constructions, c'est vous qui voyez. Moi j'ai atterri sur la grue directement et ensuite j'ai fait une petite danse pour valider le défi. Rien de bien compliqué. Le cinquième défi est d'infliger des dégâts dans un champ de maïs à Frazy Farm. Rien de plus simple, rendez-vous à Frazy Farm, repérez les champs de maïs, stuffez-vous et ensuite restez dans le champ de maïs. Et quand vous visez à travers le champ de maïs, vous voyez un petit peu plus de clarté. Donc n'hésitez pas à viser quand vous êtes dans le champ de maïs et repérez s'il y a des ennemis et infligez-leur des dégâts. Le sixième défi est de détruire des voitures en moins de 60 secondes après avoir atterri à Retiro depuis le bus de combat. Alors ce défi est très simple, rendez-vous tout simplement à Retiro, ensuite allez sur le parking, il y a plein de voitures, franchement même à l'extérieur du parking, en bas de la ville, il y a des voitures. Vous repérez des voitures et dès que vous atterrissez, vous détruisez 2 voitures, ce qui validera votre défi. Logiquement, en 60 secondes après avoir atterri, vous avez largement le temps de détruire 2 voitures. Donc soit vous le faites en foire d'empoigne ou soit en partie normale, c'est vous qui voyez. Le septième défi est d'atterrir en Chopa au fond d'un réacteur de Steamy Stack. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des Chopa, donc de tous les emplacements des hélicoptères de la map Fortnite saison 3. Alors ce que vous devez faire, c'est choper un hélicoptère tout simplement et ensuite vous diriger vers Steamy Stack. Et là, quand vous êtes au-dessus du réacteur de Steamy Stack, vous rentrez avec l'hélicoptère dans le réacteur et vous essayez d'aller jusqu'au fond du réacteur et ensuite vous sortez de votre Chopa, donc de votre hélicoptère, pour valider ce défi. Et le huitième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à Catty Corner. Donc rendez-vous à Catty Corner, comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite, essayez de repérer un adversaire et infliger lui des dégâts. Vous devez lui infliger 200 de dégâts pour valider ce défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.